Magnifique, Patrick, ce jardin de Bagatelle. Oui, et je te propose de faire aujourd'hui un parallèle en fait entre cet écosystème végétal et notre écosystème digestif, c'est-à-dire la relation vitale que nous entretenons avec notre flore intestinale. Et pourquoi on appelle ça la flore intestinale ? Alors, les découvreurs de la flore intestinale, c'était au début du XXe siècle, hein, donc il y a bien longtemps, on n'avait pas tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Ces découvreurs ont supposé que c'était des petites plantes microscopiques, d'où le nom de flore, de plantes et de flore. Mmh. Bon, on sait évidemment aujourd'hui que ce sont des bactéries sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, et inversement, ces bactéries ne pourraient pas vivre sans nous. Il s'agit donc bien d'un écosystème gagnant, en quelque sorte. On peut même parler d'écologie intestinale. Alors imaginons que ce jardin soit notre flore intestinale, et on voit la haie ici qui pourrait ressembler à un intestin. Et puis surtout, ce qu'on note, c'est cette grande diversité en fait d'arbres, des grands arbres, des sapins. On voit des petites plantes, et ça caractérise déjà la flore intestinale, c'est la diversité. On a une racine qui est très longue, qui permet, comme la chaîne de l'ancre du bateau, de retenir l'arbre, puisqu'il est penché d'un côté, là où il y a eu l'accident. Et c'est ça qu'il faut créer, en fin de compte, la stabilité de l'arbre dans l'instabilité. Voilà. C'est ça, une belle symbolique, en fait. Voilà, c'est ça. En plus, la mousse qui vient marquer le temps qui passe. Vous avez de la lavande depuis longtemps ? Eh bien, ici, donc, il y a 15 ans que nous avons acheté l'exploitation. Ouais. Il y avait une trentaine d'hectares de lavandin. Uh-huh. On n'était pas du tout spécialisé dans cette culture, parce que mes parents faisait de la lavande de haute montagne, de la lavande fine. Il fallait marcher 2 heures pour accéder au lieu de coupe, et le soir encore 2 heures pour rentrer à la maison. Et, oui. Et cette lavande était distillée sur la ferme, donc à Drex. Ça faisait une entrée financière qui était relativement importante, parce qu'il n'y avait pas de frais, c'était tout de la lavande sauvage. Mmh. Et cette lavande a périclité dans le temps. Aujourd'hui, avec tout le progrès de la chimie, tu peux avoir une action immédiate, mais très court terme sur ton vignoble. En revanche, si tu veux un travail de fond, il faut toujours miser sur l'avenir. Et c'est des cycles très longs. C'est des cycles de 3 ans, parfois 5 ans, pour relever un vignoble et obtenir le résultat de ce qu'on veut. Et c'est deux logiques qui s'affrontent, c'est l'immédiat et le long terme. Mais le fondement du long terme, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que quand on travaille sur le long terme, on arrive à amener un vignoble à l'équilibre. À court terme, c'est une couche de superficielle, et derrière, il y a le déséquilibre. Ça, c'est toujours le cas. L'équilibre, c'est le but de la vie. Hein. Et oui. Chez tous les végétaux et chez nous aussi. Et l'essence nous aide aussi à retrouver l'équilibre. Si tu dégustes un bon vin, ben, tu en tireras la substantifique moelle. Et un vin formaté ne t'apportera pas ce plaisir. Hein. Il t'apportera le même plaisir qu'une boisson gazeuse. Voilà, un plaisir stérile. Voilà. Et si on allait déguster maintenant ? Ben oui, parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà, on va déguster quand même.